Salut à tous. Salut, on sort la checklist. Attention, on est parti. Alors, il faut être organisé quand on fait une vidéo. Alors, pochette. On a. Ah ouais, ça c'est indispensable. Churros au Nutella. Bah c'est bon parce qu'on a mangé des churros hier au marché de Noël, c'était très bon. La neige, bon, on valide. Oui, on valide. On valide, on a eu la neige. On n'a pas eu des grosses quantités, mais ça fait plaisir. Les montagnes sont blanches. Là, je tourne pas la caméra parce que c'est un pied ventouse. Hein. Sinon, je vous aurais bien montré, c'est super joli. Là, on est très tôt ce matin, donc on va voir comment on peut gérer la lumière. Parce qu'il y a un fort gel et du coup, ça reflète. Malchancitude, ouais, on peut checker. Ben, on check parce qu'en fait, alors malchancitude, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire qu'on a de la malchance, mais dans d'autres malchances, on a un peu de chance. Sur la série Légendes Brillantes, on a eu quelques GX, mais on n'a pas eu de brillantes. Alors, pour ça, je parle de... Alors ça, c'est une nouvelle rubrique. C'est pas la gastro-étude, hein, c'est la grastro-étude. C'est quand vous avez là une bonne gastro. En ce moment, il y a une vague d'épidémie. Je vous donnerai quelques bonnes chaînes si vous voulez être malade gratuitement. Vous regardez, il n'y a pas de symptômes, ça apparaît direct après les 10 secondes. Voilà, et puis les bisous. Eh bien, on y va. Alors, on fait un bisou à Miss 2.0. Ça doit être une Miss USB. Ouais. Voilà. Master Todd, Kev Leg, Donatien. Et on remercie également Raphaël et Smart Boy Pokémon pour leur petite commande là, qu'ils nous ont passée hier. Bon, écoutez, on vous fait un gros bisou. On est dimanche, de très bonne heure. On est parti. Alors, on va en profiter, puisqu'on a la nouvelle version des Légendes Brillantes, on va en profiter pour faire la version des trois. Donc, ça fait quand même une belle vidéo. On a trois coffrets chacun avec Emily. J'espère... Très sincèrement qu'on aura un petit truc sympa. Alors on va faire ça en direct. Alors chronologiquement, hop, je vire tout ça. Chronologiquement, je vais les mettre sur le côté, regarde. Tac, on va faire comme ça. On se la fait en direct live. Ouais, parce que après on va nous dire, ouais mais t'as des boosters là, tu les as. Bon, ce beau dimanche. Je sais que sur la France, il y a eu pas mal de neige. Alors nous, pour notre part, c'est normal, on est en montagne, vous le savez. On vit vraiment en pleine montagne, au pied des stations. Donc le ski, c'est plus que notre dada, hein, c'est une passion. Et quand la neige arrive, on est vraiment hyper content. Donc Pokémon et ski, c'est un peu la même chose, vous voyez, pour nous. C'est pour ça qu'on s'appelle la Team Skieratros, hein, je vous le rappelle. Hop, on va foutre le papier par terre. On va commencer par Mewtwo. Alors je vous le fais en direct, hein, on va pas se prendre la tête. Alors je vous dis malchancitude en intro. C'est vrai que, bon, on voit des ouvertures de malades. Et nous, ben, on a la petite GX qui va bien. Mais voilà quoi, c'est pas... C'est pas l'orgasme, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, franchement, si on pouvait avoir... Alors, les coffrets, vous les connaissez. La carte promo qui est sublime. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'attitude là, de Mewtwo. Elle est vraiment très belle, cette carte. Le Pins. Vous le connaissez également. Voilà. Toujours très dynamique, très agressif. On aime bien ce Mewtwo qui correspond au Mewtwo qu'on connaît. On a trois boosters. Voilà, les illustrations qui sont toujours merveilleuses. Pour avoir le Mewtwo dans votre TCG. Et on est parti. On va faire comme ça, coffret par coffret. Alors ce booster Rayquaza quand même est très très joli. Et ben, je vais commencer par Genesect. Je vais faire Mewtwo et je vais faire Rayquaza. D'ailleurs, je salue aussi Rayquamaster qui a eu une super pioche sur son display. Allez voir sa deuxième partie de vidéo qui est vraiment top du top. Bon, déjà, les vidéos sont top, hein. Chez Mathias. Donc quand vous rajoutez une bonne pioche, bah ça fait du méga top, du topissime. On est sur 4. Allez, on est parti. Bon, je vais pas vous dire je veux une pioche en particulier, je veux une carte, parce que franchement, je préfère ne pas espérer pour être déçu, parce que si on a que des holos, je vais avoir les boules. Donc ouais, moi, c'est ça, me faire chaud. Oui. Ouais, très, très, très honnêtement, ça fait quand même 6 coffrets, ça fait un bon petit budget. Bon, ouais, voilà. Pas non plus. Énergie. Et le boss Pokémon. Electrode. Super bon. Bon, j'espère que de votre côté, vous avez eu de bonnes pioches. Je vois beaucoup de posts passer sur Instagram, sur Facebook. Et en général, vous avez de la chance. Donc, bah, Pikachu, qui est toujours aussi joli. Limonde. Abo. Chris. Premier reverse de l'ouverture. Ah, vous savez qu'on a hésité avec le TB. Hein. Je vais faire comme ça, regarde. Voilà. Et notre première carte de l'ouverture, il s'agit de Palkia, holographique. Bon, qui est très joli. Alors, la série est super agréable à regarder et à ouvrir.
Sauf que pour une série qui comporte 73 cartes, vous voyez, quand on commence à ouvrir du booster, on a envie de tout avoir. Mais quand on commence à ouvrir du booster et qu'on chope les holos, bah, même les holos qui sont belles. Oh putain, attends, j'ai oublié une carte. Ah bah c'est le code. Eh ben on finit par non pas se lasser, mais voilà, on attend autre chose. Alors du coup, alors là je suis à l'envers, comme d'hab. Deuxième booster, une énergie. Là je suis sur le coffret Mew, Mewtwo. Léopardus. On va faire comme ça. Je vais vous enlever l'ombre, voilà. Pyrax. Spiritomb. Charthor. Negapi. Lipoutou, toujours aussi sexy. I love you Lipoutou. Herbizarre. Baligno. Bon, je vais orienter un petit peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Un Zorua qui est très joli, hein. Smart Boy, c'est une de ses cartes préférées, celle-là, tiens. Et on finit avec une deuxième holographique. Yveltal. Ah, ça prend le chemin de la. Ça prend le chemin de Lolo, la merde. Allez, Rayquaza, si tu pouvais m'amener Rayquaza brillant, ben je serais heureux. C'est pareil, dans les ETB, il y a eu des. Ouais. Il y a quand même eu des. Des dénouements variables. Il y en a, ils ont eu une méga pactole. Il y en a, ils ont eu. Bah, ils n'ont pas eu autant de chance. Yo-Yo Victi, il a ouvert son ETB. Je sais, il a eu 10 holographiques, 10 boosters. Bon, voilà, par contre. Là, c'est la loose. Hein. Crocodile, Bagiguan, Matoufeu, Posipi, Mustéboué. Émilie qui est en train de se préparer, là, psychologiquement. Hop, 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 on est déjà à la reverse. Alors, regardez si on est malin. On envoie les cartes derrière. Oh, cette nouvelle technique. Mais elle a tombé par terre. Déplace dégâts. Je vais me décaler. On a Bagaïd. Attention. Florizarre. Bon, par contre, la carte, elle est sublime. Et l'énergie. Ce suspense. Mais là, on n'y croit pas, là. Attention. Ah, oh, et Marshadow. Bon, mais vous voyez, ça, c'est pas La Pokébox, c'est pas la petite boîte. Bon, c'est sympa, 3 holos, mais c'est pas non plus. Ouais, c'est pas d'extase. Allez, on enchaîne avec le Pikachu. Ouais, franchement, vous savez, je suis pas gourmand. Alors, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Je me mets derrière pour ouvrir le coffret. Hein. Vous allez me dire. Mais une brillante, ouais, je serais vraiment heureux. Voilà. Et si je pouvais avoir Mew. Mais Mew, j'en rêve. Et franchement, c'est une carte que je trouve fabuleuse. Que je compare un peu, bon, même si elle est différente, hein, au Mew du Korokoro qu'on avait eu en japonais. Même si la dynamique artistique n'est pas du tout la même. Mais j'aime beaucoup le Mew, il est beau avec cette spirale. Allez, deuxième coffret. Bon alors c'est toi qui vas encore relever le niveau. Hein. Hop, regardez, tac, on fait comme ça, on le met sur le côté. Bon, on se la fait à la bonne franquette, ça vous dérange pas. Voilà, on n'a pas pressé, on a le temps. La carte Pikachu, hop, qui est très belle aussi. Hein. Ça, ce sont des cartes qu'il faudra. Ah ouais, quand elle est comme ça, elle est magnifique. On va la mettre à côté. Et on a toujours les trois boosters, Genesect, Mew et Mewtwo. Alors, je finirai par Mew, que je préfère. Et puis, si vous voulez le code pour la carte Pikachu, hop, n'hésitez pas. Je ne sais même pas si les gens prennent les codes en fait. Bon, c'est vrai qu'on les donne pas tout le temps, puisqu'on utilise, on joue donc. Allez, Genesect, je te choisis. Par contre, je n'ai jamais vu de coffret full coffret. C'est-à-dire 3 ultras, 3 boosters. J'ai pas vu. 3 boosters, 3 ultras plutôt. J'ai dit quoi? L'inverse. Ah bon, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Herbizarre, Charthor, Pyronille, Negapi, Chapignon. Oh, ça c'est la surprise du chef, vous avez vu? Ah non, mais là, c'est quand même incroyable ce suspense. Bagaïd, Musteflotte, qui est vraiment très joli. Golemastok, cette fois-ci, je vais pas loser. Cette fois-ci, je sais quelle énergie. Eh ben, oui. Et ouais, parce qu'on est des pros ou on n'est pas. Et après, derrière, oh putain, je fais comme tout à l'heure. Palkia. Eh ben allez, bim. Mamma mia. Ça sent un peu le pourri, non, cette affaire? Bon, de toute façon, si j'ai pas de brillant, j'achète plus de coffret. On ouvrira le TB, puis après, adviendra que pourra, m'en fous. Bah, ça me ferait vraiment chier d'acheter Mew. Alors, Lipoutou, Negapi, Charthor, Quillfish. Bah, je pense que c'est une technique que je vais adopter maintenant. Bagiguan. Ah, ça c'est bien.
Donc la reverse, si jamais vous ne savez pas, c'est une énergie combat. Tilly, Bagaïd, attention, une double énergie incolore, ça c'est bien pour le TCG. Une énergie obscure et un Latios. Mamma mia. Putain, ça sent la loose. Allez, regardez-moi ce booster comme il est beau. Ça, c'est le top du top. Ah, le booster Mew, là, c'est... Je sais pas si je vais pas me le faire faire en poster. Mais c'est quoi ces coffrets, là? Alors, Lipoutou, Pikachu, Abo, Matoufeu. Là, je mets le turbo. Matoufeu, là, j'ai les cartes qui se barrent. Chapignon, Lily, Super Appel, Chris... Une énergie obscure, comme tout à l'heure, et... Ah bah, c'est vraiment la merde. Deux coffrets. Tu veux les cartes? Yes. Tiens, je te fais un cadeau. Yes. Ah bah, c'est vraiment le bordel. Bah, franchement, je suis déçu, là. Qu'est-ce que c'est que ces coffrets pourris? Ah, c'est pas possible, hein. Allez, on passe au dernier. Bon, celui qui est sorti... Enfin, celui qui devrait sortir, hein, parce que, officiellement, la date de sortie est prévue le 6 décembre pour la Saint-Nicolas. C'est beau. Et ben là, on l'a avant. Je pense d'ailleurs que je stockerai pas mal de coffrets Aurore, car si ça vous intéresse. Hop! Alors, découvrons la carte et le pins, puisque là, c'est une découverte. Hop! C'est un peu le bordel, là, je suis en train d'en mettre partout. Alors, cette carte, elle est faite par... Tsuchui. Elle est jolie, hein? Elle est très jolie. Là, on a trois beaux boosters. J'espère que ça va cartonner. Hein. Bon, si vous voulez la carte sur le TCG, le pins, il est sympa. Bon, je préfère largement les deux précédents, mais bon, après... Il est joli, quand même. Eh ben, on est parti. Là, faut qu'on relève le niveau, hein, parce que franchement, c'est dégueulasse comme pioche. Bon, il y a des holos, hein, mais bon. Je fais pas le difficile, hein. Je suis content d'avoir des holos, mais vous voyez, ça, c'est le problème. Dans les displays Invasion Carmen, là, on n'avait pas d'holo, il y en a 4 par display, et puis là, on en a une par booster, donc on attend autre chose, quoi. Pikachu, Crocodile, Chakripan, Pyronie, Flamia... Oh, ça, c'est bien. Une énergie reverse, c'est une bonne pioche. L'énergie de distorsion, Attrape Pokémon, Pyrax, ça me fait penser à la pub avec les Bretonnes, là, à chaque fois. Tipiak. Et on finit... Oh, punaise. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais c'est quand même incroyable. Même pas une full art, quoi. Même pas une GX. Allez, Balignon. Caïminus. Bulbizarre. Pikachu. Limonde. On a Bagiguana en reverse. Lily. Emily qui est en train de se bouffer les doigts, là, à côté des ongles. Arbok, tu vas avoir la pression, moi. Et on finit. Oh yes! Oh, je suis content. Ah ben voilà, ouais, je n'en demandais pas plus, je n'en voulais pas plus. Une brillante suffira à mon bonheur. Même si on n'a rien de l'autre côté, ce que je te souhaite pas, Emily, mais pour le coup. Oh, je suis content. Ah, ça fait plaisir. Un léger petit problème de cadrage, mais franchement, c'est dérisoire par rapport au bonheur qu'on a, quoi. Alors, on regarde le dos. Au niveau des fesses, elle est comment? Ah, on est bien sur du 36. Hein. Bah ouais. C'est du beau matos. Hein. On check là ou quoi? Alors, string 36, tac. Allez. Il y a de la belle cam quand même. Hein. Bon, pas aussi jolie que toi. Hein. Oh, c'est top. Et là, vous allez voir, mon booster GLS sec, je vais vous sortir la Rayquaza Full Art. Oh, je suis content. Eh ben, c'est pas pourri. J'ai parlé trop vite. Je mets la reverse ici. Oui, parce que il y a des gens qui ont de la chance. Je ne citerai personne. Jamie Fra qui sort une ultra dans chaque ouverture. Mais bon, il doit peser ses items, Jamie. Allez, Chakripan, Flamiaou, Caïminus, Limonde, Herbizarre. J'aime bien cette technique. Pikachu en reverse, Lily, Super Appel, Chris. Ce serait bien qu'on ait une bonne carte là encore. Vous croyez que c'est possible de brillante? Oh, je pense pas. Ah, mais non. Allez, bon, je suis content, je suis rassuré surtout. Allez, Mini, envoie du gros.
Bon, j'ai foutu le bordel un peu. Ouais, c'est un peu le bazar, hein. Je veux pas dire, mais... Tac. On va mettre les reverse ouais, ensemble. Attends, ouais, je vais les prendre si tu veux. Je vais les mettre sous pochette. Oh, tu les laisses là, je les mettrai après. Les holos, hop, nickel, les codes. On les décale, la brillante, on la met là. Oh, hop. Elle est belle, Rayquaza. Parfait. Allez, moi j'ai pris de l'avance, j'ai déjà enlevé les plastiques. Donc, je suis une malade. Tu me suis folle, toi. On ouvre direct. Hop, parfait. Bon, le petit pins, on connaît. Hop, oula. Hop. La carte. Hop. Et nos trois boosters. Je vais faire dans cet ordre-là. Allez, toi, c'est le gars ton préféré, d'ailleurs. Mew. C'est vrai que ça, il est beau, hein, quand même. Ouais. C'était un massacre de boosters, celui-là. Non, c'est pas vrai. Alors, Lily. Florizarre. Hyperball. Mustéboué. Ton chéri. Posipi, ouais. Matoufeu. Baguiguan. Quillfish. Un petit balignon en reverse. Et derrière... Eh ben, oh yes! Eh ben le doublé! Oh, c'est cool! Le doublé Rayquaza brillant. Ça, c'est la classe. Bah, c'est surtout toi qui as la classe. Parce que t'arrives, bim, premier booster, tu chopes la brillante. Bah attends. On rigole pas, nous. Hein. Non, mais c'est top, ça. Bah, c'est surtout, tu vois, que pour le coup, on pourra peut-être l'échanger. Ouais. Bon, il y a un léger petit souci de cadrage, mais la carte est nickel, donc ça le fera, quoi. Allez, au top, on la met avec l'autre. Elle est belle, ouais. Bah, tu vois, dans le Génésecte. Ouais, en plus. Hop, récupération d'énergie. Super rappel. Spiritombe. Balignon. Flamiaou. Pyronille. Chacripant. Negapi. Oh, en reverse, beau, une énergie fée, ouais, ça c'est cool. Ouais, on a eu plein d'énergie pour le coup en reverse. Ouais, par contre, on a de la chance pour ça, ouais. Ça c'est cool. Et derrière, Raikou en holographique. Hop. Ouais, alors je sais pas pour vous, mais Raikou, c'est l'holographique qu'on a le moins souvent. Alors après, c'est pour nous. Je sais pas si c'est le cas généralement. Moi, j'y ai cru quand j'ai vu le jaune. Mmh. Parce qu'après, bah oui, Mew, c'est psy, donc ouais, tu verras du... Ouais. Bon, j'aimerais trop avoir Mew, quoi. Félinferno, Chris, Super Bowl, Limonde, Chapignon, Gringolem, Abo, je suis en train de perdre toutes les cartes, Voltorb, hop, Abo en reverse, et derrière... Reshiram en holo. Ouais, bon, on a le soleil trop direct. Ouais. Alors attends, tiens, je te donne la carte. Allez, deuxième coffret. Oh, c'est quand même vraiment pas pratique ces ouvertures, hein. Je déteste. Bah, tu défonces tout. Tu mets 1000 ans à ouvrir, hein. Ouais, bon, attends. Hop là, nickel. Oh là là, c'est un bordel sur la table. Alors, la petite carte. Tac. C'est vrai que celle-là, elle est quand même très belle. Hein. On prend notre temps. Hein. Elle est bien sympa, ouais, celle-là. Elle est jolie. C'est une belle petite carte collector. Hop. Tu vois, même gradée, hein, c'est joli. Elle est belle. Pins. Ah, bah j'ai les mêmes boosters que tout à l'heure. Ça, c'est bon, c'est bon. Hop. Et bah allez, on est reparti avec Genesect. Et bingo. Et c'est reparti, jackpot.
Allez, attrape Pokémon. Super rappel. Spiritombe. Posipi. Lipoutou. Crocodile. Baguiguane. Pyronie. Oh, mais quelle veine! Une énergie électrique en reverse. En plus, c'est bien, on n'a pas eu les mêmes. Ah, c'est classe. Et derrière, Manaphy en holo. Elles sont belles, les énergies comme ça. Ouais. Ça rappelle les Pokex. Ils auraient pu pousser le bouchon, tu vois, mettre des effets dedans. Ça aurait été encore plus joli. Ouais, ou mettre un nombre de Pokémon, là, comme ils avaient fait dans la GSS. Ouais, exactement, ou l'ombre, ou même, tu sais, les petites... Bah, tous les légendaires en petits, petites incrustes, ça, ouais, ça aurait été top du top. C'est vrai. Ça aurait fait des cartes collector. Allez, Vortante, Hyper Ball, Déplace Dégâts, Matoufeu, Abo, Pikachu, oula, Lipoutou, Crocodile, Azorua en reverse, et derrière, ah, Yveltal. Ouais. On n'aura pas eu autant de chance dans le Genesect. Hein. Bah, puis c'est surtout que là, du coup, on n'a pas de GX, on n'a rien. On ouais. a eu deux brillants, faut pas se plaindre. Hein. Oui. Mais pour le coup, on n'a rien d'autre, quoi. C'est ça. L'énergie de distorsion. Électrode. Musteflotte. Chartor. Bulbizarre. Pikachu. Mustéboué. Keiminus. Chris en reverse. Et derrière, ce sera Palkia. Ah. Mais heureusement ouais, que t'as une brillante, parce que... Palkia, elle revient souvent, quand même. Hein. Ouais. Allez, le dernier coffret. Oh, purée. Ah, mais quelle borne. Ça va faire une pyramide de... Alors, la carte, voyons voir de près. Ah, elle est sympa, hein. Ouais, elle est jolie. Bon, puis c'est rare, c'est quand même... J'aime bien ce Pokémon. Hop, le petit Pins. Ils sont bien faits, les Pins, quand même. Ouais, moi aussi, c'est de qualité. Ah, et bien, cette fois, on aura deux Mew et Rayquaza. Bah, croisons les doigts, allez. Hop, oula, le petit code remonte là-haut. Allez, et bien, on va alterner, hein, comme on a deux Mew. Je commence par un Mew. Comme ça, elle finira par Mew. Léopardus, Pyrax, Attrape Pokémon, Matoufeu, Posipi, Mustéboué, Zorua, Abo, un Baguiguan en reverse. Et derrière, Manaphy. Bon, une petite dernière carte là ah, pour ouais, finir, ce serait sympa. Là, ce serait cool. Ouais. Ouais. Une rainbow, ça me déplairait pas mal. Oui. Léopardus, double énergie incolore, attrape Pokémon, Limonde, Caïminus, Flamiaou, Chacripan, Voltorb, ah, Reshiram en reverse. Ouais, pas mal, elle est belle. Sympa. Et derrière, eh bien Latios. Allez Mew, on compte sur toi, hein. La Mewtwo Full Art, ça me déplairait pas non plus. Ce serait bien. On finit avec l'éleveuse de Pokémon. Électrode, Super Ball, Chapignon, Limonde, Négapi, Chacripan, Pyronie. Oh, joli. Une énergie en reverse. Aïe. Et
Allez, je vais enlever. Ah non. Déception ou pas? Je vais changer de main. J'en transpire presque. Oh putain. Quel déo. Aïe, 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 aïe. Bah, heureusement qu'on allait tuer. Heureusement qu'on a eu celle-là. Ouais, 18 boosters, on a eu. Bah, en fait, on a eu une ultra tous les 9 boosters. Alors, vous ouvrez le display, ça vous fait 4. Alors, quand j'entends dire que c'est la méga, méga super bonne pioche, ça va quand même très aléatoire. Hein. Faut arrêter de nous vendre du rêve, les amis. Bon, allez. On est quand même contents. On n'aurait rien eu, ça aurait été la poste. Oui. Mais là, bon, deux brillantes, allez, on va se plaindre. Gros bisous, de bonnes pioches sur toi, vous tous. Un bon dimanche et à la semaine prochaine. Salut. Salut.